Do you realize it matches with? Yeah. Okay. Hi guys. Welcome and welcome back to my channel with me, Dani, and I'm really glad to have you back again on this new video. If you're new here around, welcome. Si tu es nouveau, comme je disais il y a quelques secondes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Dani et aujourd'hui on prend une vidéo qui va faire un peu suite à la vidéo de la dernière fois, qui est une vidéo mindset. La dernière fois j'ai fait comme une sorte de petite intro qui allait un peu dans tous les sens, et aujourd'hui je crois que c'est mieux de procéder un peu par. Aujourd'hui, je vais aborder un peu plus la question du contexte. Comme je ne peux pas parler pour tout le monde, je vais un petit peu parler de moi, en espérant que ça ne fasse pas trop centré sur moi. En espérant aussi que à la fin de la vidéo, tu auras compris un petit truc que j'essaye de dire et que je vais continuer d'essayer de dire pendant un petit rappel. La confiance en soi, pour moi en tout cas, c'est être là pour toi-même, en tout temps et en tout lieu, en tant que premier recours et en tant qu'ultime recours. Et ensuite tu peux utiliser la présence, l'amour et le soutien des autres comme un soutien additif. Tu peux pas remettre les clés de cet équilibre là en fait dans les mains des autres. On va préciser qu'est-ce que ce n'est pas. Ce n'est pas de l'arrogance, je m'explique. Ce n'est pas être mieux que les autres. Avoir confiance en soi, c'est pas dire je suis mieux que toi, je sais mieux faire que toi. Non, c'est pas ça. Le contexte, en fait, c'est quoi? Le contexte, en fait, c'est l'endroit où tu grandis, les réalités que tu rencontres, les difficultés auxquelles tu dois faire face, qui sont très souvent ton quotidien et qui ne sont pas forcément liées à l'âge que tu as. Parce que, excusez mes mots qui arrivent, j'ai l'habitude de dire que l'âge, c'est un putain de chiffre qui ne sert à rien du tout. Ça ne garantit rien du tout. Ça ne garantit ni maturité, ni degré de réflexion. Ça ne garantit même pas logique. Vous pouvez rencontrer des gens qui sont très vieux mais qui sont très immatures, et rencontrer aussi des gens très jeunes qui sont très matures. Quand je parlais de contexte pour la confiance en soi, don't fit, qu'est-ce que je veux dire? Avoir sa place. Avoir l'impression de ne pas être à sa place peut grandement influencer la confiance en soi, et comment les autres te perçoivent aussi, c'est hyper important. Quand tu n'as pas grandi forcément dans une atmosphère où on t'a valorisé, et on arrive là au langage de l'amour, ce sera dans une autre vidéo. On t'a pas forcément appris à cultiver l'amour propre, parce que ce sont des choses avec lesquelles on ne naît pas. On les cultive, on te les apprend. Et ensuite, quand tu grandis, tu commences à les apprendre toi-même. Tu te cultives, tu apprends à t'aimer, tu apprends à t'accepter comme tu es. Et tu bosses chaque jour pour être une meilleure version de toi-même par rapport à celle que tu étais hier et les jours d'avant. Bon, ça c'est ma logique bien sûr, c'est pas un truc universel. Bon, n'allez pas dire que oh pourquoi t'as dit ça alors que, pardon. Si tu n'as pas grandi dans un environnement où on t'apprend à t'aimer, te choyer toi-même d'abord avant d'attendre quoi que ce soit des autres, ce sera difficile pour toi en fait de te dire je suis valeureuse, je suis valeureux, je suis beau, je suis belle, je suis talentueux, je peux le faire. J'ai pas forcément besoin d'attendre que quelqu'un d'autre me dise fais pour faire. J'ai pas besoin d'attendre forcément que on me dise voilà la voie. Je me bats, je cherche, je suis forte, je peux. J'ai pas besoin d'attendre qu'on te dise à gauche pour aller à gauche quand je sais que je dois aller à gauche. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup découvrir beaucoup de choses. Ça fait que des gens ont eu confiance en moi quand je n'avais même pas confiance en moi, et j'ai pu courir assez vite. Sauf que en arrivant au collège, j'arrivais vraiment pas à m'intégrer, parce que d'abord, ce qu'une camarade m'avait dit, le principal m'avait jugé intéressant et très judicieux de me présenter à toute l'assemblée le jour de la rentrée. Ben vous vous doutez bien que la fille d'autrui était cataloguée. Ça fait que rejetée de toutes parts, c'est ce que je ressentais. Et les gens étaient frustrés, les gens me mettaient beaucoup à l'écart. Ça fait que je me suis beaucoup renfermée. Et plus tard, en fait, moi j'ai rencontré même des gens qui me traitaient normalement, qui me
complimentait, me valorisait, m'encourageait. Je me disais toujours que c'était que en fait ces personnes-là, ils étaient juste là et qu'ils faisaient ça. Ils faisaient ça peut-être parce qu'ils attendaient un truc de moi. Par exemple, j'avais des camarades au collège, par exemple, qui se cachaient pas. Ils avaient besoin de moi pour faire leurs devoirs. Et bon, je le faisais juste. Enfin, c'était des trucs comme ça. Tu fais juste parce que tu te dis bon, tu veux t'intégrer, si c'est ce qu'il faut faire, tu fais, mais avec la sensation étrange d'être toujours, toujours, toujours seule, de jamais pouvoir, de jamais te sentir affirmée et d'attendre toujours qu'on te dise de toute façon ta place n'est pas ici, parce que beaucoup de gens m'ont dit ça, de toute façon ta place n'est pas ici. Normalement, dans les temps normaux, tu devais pas être là, tu devais être à tel endroit, tu devais pas être ici en tout cas, tu devais pas. Et dans le cœur d'une petite fille de 8, 10, 12 ans, ça fait super mal. Tu te sens super seule, tu te sens rejetée, tu te sens pas aimée, tu te sens pas. Mais je dis pas non plus que les gens sont obligés de t'aimer ou de t'apprécier, mais comme on dit souvent, les choses les plus difficiles et les plus vilaines viennent de la bouche d'autres enfants. Ça a été des trucs qui ont beaucoup, beaucoup joué sur moi. Et puis quand tu es aussi à l'école et qu'à cause de ton acné, on t'appelle la calculette, certains, au bout d'un moment en fait, moi-même j'ai commencé à tourner certains des deux fois en dérision. J'ai commencé à moi-même m'appeler la calculette parce que j'avais pas mal de boutons bien sûr. Et puis ça faisait le court chemin en fait. J'avais pas à me sentir gênée de que tu m'appelles par un surnom dont moi-même je m'affiche. Et du coup, petit à petit en fait, je me suis dit si je peux faire ça, je peux aussi vous envoyer chier. J'ai commencé à dire bah je suis là et tant pis. Je m'en balais. Je m'en fous. Je suis là. Je bouge pas. Ça t'énerve. Tu vas là-bas. Là-bas, vas-y. Si tu fais pas ça, si tu apprends pas à taper du poing sur la table, tu pourras jamais. Ce qui est important en fait pour toi, c'est de pouvoir faire un travail sur toi. Tu fit. Tu es à une place où c'est sûr. Tu as fait quelque chose pour être là. Tu estimes que tu ne mérites pas d'être là toi-même. D'accord. Bosse. Bosse pour être à la place que tu penses mériter. Parce que rien n'est facile et personne ne va te faire de cadeau. Si ce sont les autres qui te répètent que tu n'es pas à ta place, mais en essayant de te dévaloriser, de t'amoindrir, de te diminuer, montre-leur que tu es à ta place et que tu n'as rien à faire, rien à battre, rien à cirer de tout ce qu'ils pensent. Si les gens trouvent que tu es trop maquillée pour aller au taf, si les gens trouvent que c'est parce que tes cheveux sont naturels que tes patients te font pas confiance, si les gens trouvent pour une raison ou pour une autre que tu es trop si, que tu fais trop bébé, que tu fais trop enfant, que tu fais trop. Peu importe. Je ferai bien doigt d'honneur, mais peut-être qu'on risque de me couper la vidéo. Bref, t'as pas écouté en fait les gens qui te disent que tu fites pas, que tu n'es pas ta place. Tu as ta place. C'est légitime pour toi de chercher en fait à te battre pour avoir les choses que tu mérites. Tu dois avoir confiance en toi, tu dois pouvoir t'assumer et t'accepter comme tu es. Ensuite, deuxième chose, tu dois pouvoir être là pour toi-même en premier recours et en ultime recours. Et les autres, c'est juste des soutiens additifs. La troisième des choses, c'est de ne pas écouter les gens qui te disent en te dirigeant que tu n'es pas à ta place. Bats-toi pour ce qui t'est cher, bats-toi pour tes ambitions, tes passions. Vis passionnément et vis tes passions. Il faut bien choisir ton entourage. Un entourage qui t'est négatif n'aura pas une bonne influence sur toi. Si tu as toujours à côté de toi des gens qui vont te dévaloriser, tu pourras rarement, tu pourras pas vraiment t'élever, comme on dit. Tu pourras pas transcender tes problématiques existentielles. Je vais m'arrêter là. Il y a aussi des notions comme la disponibilité émotionnelle, parentale et amicale que je vais peut-être aborder dans d'autres vidéos. Je crois que j'ai d'autres vidéos assez intéressantes qui vont sortir dans le dos. J'espère que la vidéo t'aura plu, que t'auras aimé me regarder.
regarder et que tu vas laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses. Et si jamais tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'aimerais que tu mettes en commentaire au moins hashtag YouHit. Et si jamais le look que j'ai sur le visage t'intéresse, je vais te mettre le lien de la vidéo parce qu'elle sera sur Instagram bien avant que cette vidéo ne soit sortie. Alors on se dit à très vite dans une autre vidéo. Bye!